OK. Fait que on fait une place. Mon Dieu, si vous allez gazer, mes chums, le pauvre caca de pièce. C'est gars qui chiole. Wow. OK. Yeah, salut tout le monde, bienvenue au Skibar le casse, épisode 84. Yeah! Yeah! Si vous avez deux minutes, allez liker nos shit. Abonnez-vous sur notre page, non, notre compte YouTube. Ouais. Les deux, Facebook. Ouais, Facebook, c'est ta Twitter, c'est... On est sur Twitter. Instagram, MySpace. Non, pas encore. On est sur Twitter pour ouais. Ben ouais, vous êtes sur Twitter. Moi, je me suis mis sur Twitter, là. J'ai liké genre, yes! T'as liké son like. J'ai liké son ça cœur. Finit plus, est-ce que... Ah, oh man, tu peux liker son cœur. Ouais. Non, ça vient... On n'arrêtera jamais. Un gros inception de cœur pis d'amour. C'est bien, c'est le fun. Twitter, c'est juste du love. Twitter, là, c'est juste de la marde. Ça me fait peur, moi. Tu diras pas sur mon chum Twitter. Oh, OK. T'es pas Mikey quand t'as dit ça. C'est pas grave, ça. Moi, je l'ai entendu. C'est pour lui. Votre volume, mais c'est quand je pense. Reculez, puis oubliez votre volume. C'est parce que chaque fois qu'il est violent, il se cache en arrière du micro, puis comme si c'était pas arrivé. Moi, je le sens. All right. Fait que tu voulais plugger ton Patreon, Matt? Mais oui. Hey, Patreon, c'est qui, eux autres? C'est du monde d'un. On veut savoir. C'est ça, regarde. Fait que merci Yann Tivierge, 100$. Gabio, 100$. Pierre-Luc Paquet, 300$. 300$. David Morin, 30$. Oh. Joël Morin, 2000$. Et ouais, fuck en est-ce que voyons, voyons. Là, c'est voyons, juste le monde qui donne une pièce. Le Soro, Côté, Baribault, Breton, Duval, Bélanger, Slore Lessange, Bombardier, puis Francœur. Je donne même pas votre prénom. Hey, ouais. Vous me dégoûtez, Ah, ben, un gros merci à Sam Francœur pour son message. Matt m'a montré ça. Pour vrai, c'était super cool. Super apprécié. Merci. On l'aime. On l'aime. Merci, monsieur. C'était bien. Comment t'as dit que ça s'appelait? Sam Francœur. Sam Francœur. Moi, je t'open des deux bords, là. Fait que si tu veux, prends-moi un call. C'est Sam Francœur. En tout cas, ben merci, Sam Francœur. Ça fait chaud. On t'aime. On t'aime. Puis on te dédie cet épisode-là, mon cher. On te dédie cet épisode-là. Ton boy Frank. C'est la fête. Frank Walker. Le pire, c'est la fête à Marco, mais c'est à toi qu'on dédie quand même l'épisode. Parce que c'est ça. On me l'a fait à Marco, ouais. C'est fait. Bon, une fois qu'on a fait. Ah, c'est vrai, c'est ma fête. Ouais, ma fête, Marco! Bonne fête aussi! Ouais, t'as présenté l'équipe à la console, monsieur Philippe Lalonde. Allô? Monsieur Mathieu Morin. De retour. Monsieur Justin Ouellet. Ben oui. Monsieur Jean-François Dénommé. Yes, it's back, bitches. Rock and roll! Fait qu'en sujet d'intro cette semaine, j'ai vu ça passer, de quoi que c'est passé la semaine dernière, une directrice de garderie qui a été interpellée à Mesquite au Texas pour de la maltraitance commise sur les enfants dont elle avait la garde. Pour calmer les petits, Rebecca Anderson, n'hésitez pas à les droguer. Un classique. C'est souvent. C'est du cliché, là. Elle donnait dans le fond des Tylenol, puis... un dérivé de paracétamol. Je sais pas c'est quoi. Ouais, ça, c'est pour les gales. Elle les a drogués au Tylenol, là, ouais. Au Texas. On s'entend qu'au Texas, il y a pas mal plus de maltraitance. Non, c'est clair. En général, qui se fait que ça, que la pauvre madame qui était comme genre, tiens, si t'as mal à la tête, chiale, tiens. Puis elle avait le rubicinus. Ah, mais ça, il y en a eu. C'est sorti au Texas. Chris, il gonne des Mexicains, tabarnak. Ouais. Là, elle donne des Tylenol. Ouh. Ouais, mais elle a donné d'autres affaires aussi, mais c'est pas juste ça non plus. C'est que. C'est comme parfois, ça suffisait pas, dans le fond, à les calmer. Ben, elle les attachait avec une corde par le cou à des sièges d'auto pour bébé. Et ça durant 7 heures par jour pour faciliter son travail, expliquait-elle. Ça, c'est mon Texas. Ah, ouais, hein? Alors, j'ai-tu des tigres lousses dans la maison aussi, juste pour les garder des calmes? Elle a mis une grenade sur un enfant. Ben, il a dit, si tu tires sa goupille, tu meurs, mon tabarnak. Ben, il a laissé partir chez une. Par le cou, genre dans le siège? Non, genre, j'imagine qu'elle avait les attacher le cou, puis genre. Comme des. Après ça, elle les stripait, puis elle est. Ouais. 7e siècle. C'est un peu ça. Ce qui est drôle en plus, c'est qu'elle dit pour faciliter son travail. Et si t'aimes pas ça, garder des enfants, fais autre chose. Ouais, mais il y a de quoi naturel là-dedans, là? Je veux dire, les mamans oiseaux font ça. Avec le. Ouais, mais c'est garder des enfants, c'est peut-être une mauvaise traduction. Peut-être qu'elle, sa job, c'est de garder du monde séquestré. Ouais, c'est ça. Puis son travail, c'est juste de s'attacher. Peut-être qu'elle, c'est vraiment une bonne citoyenne. Peut-être. C'est littéralement garder une personne contre son gré. En mais fait, ces enfants-là, là, on le sait pas, là, mais c'était peut-être des violeurs puis des meurtriers. Là, genre, on sait pas ce qu'ont fait ces enfants. On n'a pas tous les faits. Hey, honnêtement, là. Elle avait peut-être raison. Chris, deux, trois... comment ça s'appelle? Ah, laisse faire.
Bon, okay. Fucking mon moi, je finis. Sinon, il y avait des, il y avait certains enfants qui étaient même enfermés dans les placards, dans les salles de bain, puis à fermer la lumière pour qu'ils capotent un petit peu. Tabarnak, ça, genre, c'est vraiment pas si pire que ça. Ouais, tu vois, cachette. Ben c'est un truc pour devenir claustrophobe aussi. Là. T'as fait un enfant dans une pièce, dans le noir, aussi, puis il fait que chialer pour sortir, puis tu le laisses pas sortir. Là. Des stroboscopes. Oui. Tout. Mmh. Hein, t'es laisses ah ouais. pas sortir des du de placard. Ça fait vraiment un rave dans un garde-robe, puis elle les laisse pas sortir. Ah ouais. Finalement, c'est des voisins qui ont prévenu les parents parce qu'ils entendaient souvent les enfants crier pendant la journée. Fait que finalement, c'était pas la famille qui a donné l'alerte après avoir filmé les agissements de la directrice avec une caméra cachée. Fait que Rebecca Anderson a avoué les faits puis a été placée en détention provisoire. Ah! Il souhaite bonne chance. Hey, je commence à l'aimer, ce madame-là. Ouais, elle est belle en plus. Elle est belle. Elle est belle? Es-tu vraiment belle? Regarde ça, elle a pas l'air cinglée, c'est ça qui est hot. Ah, ben, oui, moi je trouve qu'elle a un petit quelque chose dans son regard. Ouais, non, elle a l'air cinglée en esti. C'est peut-être son mascara qui a coulé sa photo. Moi, ce que j'aime avec ces photos-là, c'est genre à quel point il n'y a pas de remords dans leurs yeux. C'est comme, hey, vous me faites perdre mon temps en ce moment, en arrêtant. Facilitez mon travail, monsieur. Où j'aille souper, là. Vous savez pas ce que je dois endurer dans une journée avec ces enfants-là. Comme, ben, que je change de job. J'en ai 9, c'est beaucoup trop pour une seule personne. Ouais, on va commencer avec le On est tous des gardiennes ici, on a beaucoup d'expérience avec les enfants. Oui, absolument, absolument. On va vraiment critiquer son travail. Oui. Oui, parce que cette semaine, ma chronique, c'est. Parce que là, c'est la fête à Marco, j'ai décidé de faire un quiz sur Marco! Oh, ouais. Yes! Oui! J'imagine j'ai pas le droit de répondre ou. Non, 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 t'as le droit de répondre toi aussi. Bah ouais, t'as le droit de répondre parce que les réponses sont pas toutes nécessairement. C'est juste des affaires que t'as faites avant de Black. Hein? Tu la musique pour ton quiz? Je sais pas comment faire ça. Ben, Chris, tu vas sur YouTube avec un cellulaire. Mais ça marche ça pendant le quiz. Tout fonctionne? Ouais. Ok. Ah, ben, Matt, tu vas le faire? Ok. Mets la musique. Ben, Princess quelque chose de pas Ride, trop fort, là, mais au pire, je sais pas comment ajouter ça. La tune. Mais... En fait, un speech Hitler. Hip, hop, hip, hip, hip. OK, ben, je vais commencer pareil. OK, donc le quiz, j'ai 7 questions. Ah ouais. Et le gagnant du quiz va se mériter un super cadeau relié à Marco, d'ailleurs. C'est comme pour boucler la boucle correctement. Je sais pas si je le veux. Tu vas le vouloir. OK. Ça sonne comme un coup de patte. Ben là, je vais attendre que Matt aille se placer. Parce que... comment tu parles? Comment ça... Tu as mis dans 9, 10, check. OK. On va mettre un X sur le truc pour faire comme... OK, on coupe de là à là. Ça monte de son. Ah, là, c'est ça. Si je parle dans le vide... Ben, j'aimerais ça que tu dises... Je sais pas. OK. Une fois à maternelle, on construisait des genres de tours avec des blocs de bois. Puis, à un moment donné, j'enlevais un bloc parce que j'étais fâché puis j'étais curé que les autres kids volent tous les blocs. La tour est comme tombée sur la tête d'une petite fille. Ça y a fait une grosse coupure ici. Parce que c'était des blocs de bois. On n'avait pas d'affaire à jouer avec ça. On avait tous 4 ans, genre. Ouais. Ben là, c'est vrai, ça, du bois, c'est un matériel d'adulte. Puis c'est à ce moment-là que j'ai décidé que j'allais faire une carrière en battage de femmes. Mais tu sais, vois, à cette garderie-là, aucune madame vous attachait. T'as vu qu'est-ce qui est arrivé? Tu vois les risques encourus? Ouais. On voit que... C'est dans le chien, j'ai une storm aussi de mon enfance. Ah, OK, vas-y d'abord. OK. Ben oui, vas-y. C'est un peu tough, là, mais... Là, j'allais... En fait, j'étais jeune. Puis on avait comme 2 classes séparées. Puis j'allais dans l'autre classe. Il y avait un bureau, genre. Ouais. Puis il y avait un dessin d'un gars qui avait fait. Non, je t'entends. OK. Puis moi, j'étais assis à son bureau. Puis qu'est-ce qu'il est, ton dessin? Fait que juste mon crayon, puis j'ai juste... Tu l'as tout barbouillé? Ah non. Après ça, la professeure a fait tout, il a fait tout, non. Oh. J'avais menti. Tu as crissement menti. C'était le O.J. Simpson de la maternelle. Mes gars, ils te fitaient. Oui, donc, OK, ben, sur cette belle histoire, Calis, on va aller. Sur cette belle histoire, Calis. Excusez-moi. OK. Donc, la première question. Première question, ben là, celle-là peut être facile pour Marco, mais elles sont pas toutes comme ça, je pense. Voilà. Donc, le numéro 1, c'est. Quelle émission de télé a fait le plus peur à Marco en étant jeune? A. Les Razmoquettes. B. Et Arnold. C. Franfreluche. Je veux dire,
et Arnold parce qu'il y avait un noir dedans. Ouais. Et Arnold. Je sais que Marco est un enfant de merde plein de restes. La grosse crise de tête à Arnold, c'est tout dans. Ouais, ah, moi, je dis Franfreluche. Ouais, Franfreluche. Et c'est Franfreluche! Oh, fuck! Mais c'est à cause de Cidroir au chocolat. Genre, mon cousin m'avait dit qu'il explosait à la fin, puis il me disait genre que tu voyais toutes les entrailles qui revolaient, puis tout. Puis là, je voulais pas l'écouter. Mais toutes les fois que Franfreluche jouait, ben, qu'il jouait. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. À chaque fois que la cassette du mec jouait. C'est ça. C'est de ça. C'est Franfreluche à raconter. On tombe pas en psychologie. Un point pour Marco. Un point pour Jeff. Donc Marco et Jeff prennent la tête. On va aller au numéro 2. Combien d'oiseaux Marco a-t-il tué dans sa vie? A. 1. B. 2. C. Une surprise. 3. Un. Oh, et la réponse, c'est 1. Et je vais expliquer comment il a fait ça. Oui, donc, il y avait un œuf qui était tombé d'un nid. Puis Marco, pour réchauffer l'œuf. Non, si c'était un autre, d'abord. Ben là, c'est 2 la réponse. Ah, yes! Pour vrai? Tu jettes sur un. Ok, ben, tu as tué un oiseau. Ok, c'est Matt qui a gagné. Ok. Oui, il y en a un qui a tué parce qu'il y avait un œuf, en tout cas. Puis il s'est dit qu'il fallait qu'il réchauffe l'œuf parce que la maman couvre l'œuf. Fait que lui, qu'est-ce qu'il a fait pour le réchauffer? Il l'a mis dans sa main, puis il a pissé dessus. Mais le problème, c'est que la pression du jet a percé la coquille de l'œuf. Non, je pense que c'est ma main qui l'a craqué, ça va exprimer. Non, je pense que c'est le jet, moi. Ok, mais si il était dans un œuf, il a pas tué un oiseau, il a tué comme un fœtus. Hey, j'en ai tué un oiseau, mais c'est parce qu'il était comme tombé dans la gouttière, puis il était pris là, puis il faisait une crier, puis fait je. T'as pissé dessus? Ouais, non! Non, mais kind of. J'avais comme 4 ans, peut-être, puis genre, il faisait peur vu qu'il criait. Fait que j'ai juste pogné la hausse, puis je me suis rendu compte que quand je l'arrosais avec la hausse, ben il fermait sa gueule. Oh, wow. Fait que j'ai juste nayé avec la hausse. c'est... Voyons, tabarnak, quand c'est bizarre, quand je vois des gens, ils arrêtent de parler. Ah, mais j'ai genre 4 ans. Il apprenait son entourage, voir comment les choses marchent autour de lui. Au numéro 3, c'est plus une question de chance, finalement. S'il pouvait être un dictateur, duquel se sent-il le plus proche philosophiquement? A. Kim Jong-un. B. Jean-Claude Duvalier, dont appelé Baby Doc. C. Bachar al-Assad. Je veux dire Jean-Claude Duvalier. Moi, Jean-Claude je dis Bachar al-Assad. Je vais avec ça, je suppose. Hey, vous avez 3 bonnes réponses, les gars. Bachar al-Assad, parce que lui aussi n'aime pas, et je cite, les hosties de gays. Bravo, les gars, vous prenez la tête. Il y a juste Justin qui a 0, puis tout le monde a 2 à date. Un peu de la triche que Marco, toi, là. Ouais, c'est ça. Juste, m'a caché l'écran, juste pour être sûr. Allez, se faire ton le petit chat, là. Fait 12, Chris, mourra pas, là. Ah! OK. OK. Donc, combien d'accidents de voiture Marco a-t-il eu dans sa vie? Tabarnak. A, 12. B, 0. C, 4. C'est pas 12, c'est pas 0. Je veux dire 4. 4. Ben c'est 4! C'était vraiment tellement mal formulé une question, je m'en rends compte! J'en ai eu 3 en fait. Non! J'ai demandé aux parents puis on a compté ensemble. Il y en a 2 avec le camion de la compagnie. Un clos avec son char en boisson. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié celle-là. Un qui voulait changer de tune sur son iPod puis est rentré dans le cul d'une vieille. J'avais genre 16 ans. Là. Yes! Yes! Ouais. Fait que tout le monde a un point. C'est l'accent. Ouais, c'est l'accent, ouais. OK. Ouais, non, à ça, je suis rendu chauffe bien. Là, mais plus jeune, j'étais. Ouais. C'est pas un très bon conducteur. C'est la seule question que je vais te demander de pas répondre. Fait que je te pénalise pour un point, mais tu connais toutes les réponses quasiment. Fait que, bon, c'est correct. OK. De quelle band est sa boucle de ceinture qu'il porte depuis la nuit des temps? Ah! Les Sex Pistons, B, les Ramones, C, Chris Brown. Sex Pistols. Les Ramones. C'est Chris Brown. Hein? Et c'est Justin qui a raison. C'est les Ramones. Ouais. Ah, les Ramones. Parce que je garde la graine en permanence. J'ai une boucle des Ramones. Tu l'as fait de plus. J'ai acheté Chris Brown. OK, ben, celle-là, c'est la question qui va séparer. Matt a lancé un crayon vraiment fort.
pensais que c'était son... Ça a fait très mal. Je pensais que c'était son cellulaire. Ouais, ça aurait dû voir. Au numéro... Ça a été bien plus drôle. Au numéro 5, ça, c'est la question qui va séparer les vrais des pas bons. C'est quoi sa pièce de... Celle-là, je l'aurais pas. C'est non, ça, les vrais amis. Sa pièce de théâtre préférée, c'est laquelle? A, Les Belles-Sœurs. B, Le monologue du vagin. C, Pépo Citrouille. Je veux dire le monologue du vagin puisque le nom me fait rire. OK. Pépo Citrouille. Les Belles-Sœurs, Le monologue du vagin ou Pépo Citrouille. Moi, je dis Les Belles-Sœurs. OK. J'en ai vu aucune, même. Ben, j'ai demandé à ma, pis c'est Pépo Citrouille. Parce que c'est la seule que t'as vue. Ah, ah oui, c'est qui qui a dit Pépo Citrouille? Ah, c'est Matt. Matt prend la tête d'un point. Ah, OK, ouais. C'était au Jardin botanique. Oui, c'est vrai. Voilà, c'était une oui. Ouais, ouais, c'était très profond. On avait 6 ans, je pense. C'est la seule pièce de théâtre que j'ai vue de ma vie. Ouais. Sérieux, t'es jamais allé au secondaire? Ouais. Ah oh, oui, je suis. Oui, j'étais allé une fois, mais je m'en rappelle pas. Genre. Ouais, ben, aller au théâtre au secondaire, c'est juste une excuse pour aller mettre des lasers dans les yeux des acteurs. C'est la pire crowd. Imagine étudier au théâtre, aller genre à l'université là-dedans, esti, pour avoir genre un rôle, t'es à l'avant de la scène, tu donnes tout ce que t'as. Devant une bande de jeunes du secondaire qui sont un gelé comme des balles, deux qui parlent, trois qui s'en calissent. Ouais, mais rendu là, t'es un acteur qui joue. Juste là, t'es ouais, là, t'as un petit pénis nerveux qui est content. Genre, oh, je suis sur scène, je suis comme Molière. Dans <t'es>, du monde, je l'ai sa bine. C'est des crocheurs. T'es pas du dado, tabardin. Ouais. T'es loin d'Unité 9, là, qui est pas mal le pic de la culture québécoise. Là. Ah oui. Ah, oh, gros pic. Ouais, ouais, gros pic. Au numéro 6, pour continuer. OK, lequel des mots d'amour est le préféré que Marco aime utiliser dans la vie en général? A, Jésus. B, okay. La grand fourche. C, comment ça, non? Comment ça, non? Oh, il y a avec ça. Ben, vous avez toutes raison. On vous dit que je suis prévisible. All right! Comment ça, Colin? Comment ça, tabarnak? C'est okay. Quoi? Pas assez beau? OK, là, il y a Matt qui a pris la tête avec un point encore. Il reste une dernière question. OK, donc la dernière question. Jean-Claude Van Damme a eu quel impact sur la vie de Marco? A, son amour pour les arts martiaux. B, aucun. C'est la fameuse savate qu'il donne à Jasmine quand elle veut pas qu'il l'encule. Je me suis Marco là-dessus, il vient de le dire. C, OK. Ou je vais avec A. B. B. Toi? C. Et la réponse, c'est C! Ah! La fameuse savate! Je l'aime pas, Jean-Claude Van Damme. Donc, le gagnant du prix, c'est Matt! Woo! Tu veux savoir ce que t'as gagné? Ah oui! Ah oui, sors-les! Ah oui, ouvre-moi ça. Ah, il y a un cadeau en plus? Il y a un cadeau. Un vrai cadeau. Assure-toi de la sortir du sac, mais fais attention pour pas te tâcher. C'est-tu Buff Bagwell? C'est Buff Bagwell. Mais fais attention pour pas te tâcher. Marco. Une minute. Dick pleine de sueur. Je sais pas. Comme toi aussi. Enlève le chou, là, puis regarde pas. Enlève le chou, regarde pas. C'est le chemin de Marco. J'ai coup gagné, finalement. C'est mouillé. Asti, c'est de la merde. Ben non, sors-les, Asti, sors-les. Sors-les. Sors-les, mon tabarnak. Ben non, mais pas sur la table. Sont-tu à Marco? Sont-tu propres? Ah! 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 C'est vraiment de la merde. Ça a coupé en plein milieu. Désolé, ça a coupé, ça va faire une mais faudra enlever la musique juste pour être sûr qu'il n'y ait pas assez de silence pour qu'il nous enlève de YouTube. c'est correct que ça a fini, ça a fini direct à la fin. Okay. Ouais, mais c'est vrai que vous avez juste manqué le bout de ce qu'on se lançait les bobettes pleines de bandes. Là, c'était pas si important. Non, ça va. On a-tu vraiment besoin de le refaire? Non, on n'a pas besoin de le faire. Moi, j'aimerais ça faire le bout où je t'encule. Ah, mais ça, on peut le faire n'importe quand. Comment ça, non? Maintenant. Ouais, on va continuer avec la chronique à Matt. Yeah! Oui! Moi, cette semaine, comme vous pouvez vous douter, j'ai pas tant de chroniques que ça, mais j'ai trouvé un texte que j'avais écrit. Plus, j'ai une petite chronique technologique à vous faire présenter. J'ai aimé le...
Parlant de technologique, peux-tu parler dans ton micro, s'il vous plaît? Ah ouais? C'est quoi, du coup, de à le gars de son qui parle pas en son micro. C'est-tu, hein? C'est quoi le mot pour ça? C'est ironique, comme on dit en français. Ah ouais, oui, oui. Comme moi, toi qui parles encore à côté de ton micro. Ah ben là, parlant de technologie. C'est pas de ma faute. Mais lui, face à toi. Ah ben j'ai un truc. Mets-toi des écouteurs, tabarnak. Parlant de technologie, quand est-ce qu'ils vont sortir ça, des vapoteuses pour le crack, là, tu sais? Fait que... Ça serait hot. C'est vrai, ça. C'est le genre de choses qu'on dit pas assez, ça. Il y avait cette semaine, dans la communauté Linux, vous savez c'est quoi je parle ou pas? Non. Oui, non. C'est quoi? Ouais. C'est un système d'exploitation, un type Windows. Oh, OK. C'est encore bugué? Ouais, c'est revenu, là. Ben, je vais... On roule pas. Oh, yeah, pourquoi le... ça bug de même, mon gars? Ben, je vais te pas... C'est parce qu'on a dit que je vais te le passer. Il ben, il y a des fois que ça bug pas pantoute, puis là, là, ça veut juste faire chier. T'as-tu des choses ouvertes? Il y a rien ouvert. Je fais d'exprès. OK. Bon, oh, ben, on continue. Sorry. Tu l'ordi sur lequel tu regardes la porn? Fait qu'on roule. Ouais, c'est on le roule. Seul que j'ai. Pour ça. Fait que... All right. Tu divises. Ouais. Alright, fait que là, c'est le gars qui a écrit Linux, dans le fond, il s'appelle Linus Torvald. Il s'appelle Linus. Linus. Ouais, Linus. C'est une malade. Oh, salut, ouais. Moi c'est Linus. Je m'appelle Linus. Ouais, Linus, fun fact, ça veut dire en latin, j'ai pas eu un beau secondaire. Non, oh, ouais. Fait que, ouais, dans le fond, ça, il y a eu bien de la controverse cette semaine parce que c'est un gars-là, dans le fond, quand le monde, les développeurs puis les programmeurs envoyaient leur code dans le code base de Linux, dans le fond. Dans le genre de le kernel de Linux. Mm-hmm. C'est comme juste le... Tu vois que c'est le noyau du système de Linux, dans le fond. C'est tout ce qui... Oui, c'est le centre. Le centre, c'est ça. Le noyau dur. Fait que... Le neutron, là, comment le... C'est quoi déjà? Je me rappelle pas de mes cours, là. C'était le... Noyau, c'est ça. Fait que, dans le fond, il contrôlait tout ce que le monde envoyait. Mettons, toi, tu es un programmeur, tu fais du code, puis vu que Linux, c'est open source, tout ouais. Le monde peut envoyer leur bout de code pour essayer comme de fixer comme le système d'exploitation, puis tout. Fait que... Bon, mais c'est environ ça, grosso modo. Moi, je comprends tout, là. Tu comprends? Fait que, okay, il contrôle, c'est peut-être moi, juste moi qui est con. Il accepte ça, puis il contrôle ça. Puis il était un peu... des fois, il allait un peu rough avec le monde. Oh, wow. Oh, wow. Mais genre, tu sais, il y avait comme... Il disait... Donc, genre, envoyait... par leur réponse, non, par ses réponses, genre? Quelqu'un envoyait, mettons, genre, un code qui était tout dégueulasse, tout décalcé, ouais. Puis ça aidait pas. T'sais, il fait comme genre shut the fuck up this code. Même, wow, nice. Il y a eu plein de il y a eu beaucoup de réprimandes, pas répondre. C'était-tu lui le petit gros dans le vidéo qui pétait une crise de coche parce qu'il se faisait battre online puis qui c'est peut-être lui. Where's my ancient button man? C'est malade. C'est lui, c'est sûr. Linus Chris. C'est sûr qu'il est rempli de colère, cet homme-là. Ouais. Voyons. C'est sûr, là. Ouais, comme je continue ma chronique, puis là, j'essaie de trouver la bonne chose parce que j'ai fait beaucoup de recherches avant de le dire. Puis j'ai pas eu une page internet sur le go. Puis parce que c'est nous autres, ça, nous autres, les recherches, tu sais. On n'arrive pas c'est ça, là. Tu sais, en tout cas, sur l'article de NewYorker.com, il dit qu'en 4 ans, il a utilisé le mot crap, slut, bitch, and bastard plusieurs fois. Okay. Pas ces mots-là. Ces mots-là. Oh, non. Les mots interdits par la communauté Linux. Hey, ça donne une phrase colorée, hein, ouais. Tout en même temps. Là, en fait, ouais. Tu disais que les femmes programmeuses, ils arrêtaient parce qu'ils sentaient intimidés par M. Linus. Moi, dans le fond... Se faire intimider par Linus... Ouais. Sérieux, c'est insultant. La morale, tu mérites de te faire intimider quand tu te fais intimider par un dude qui a un esti de nom de loser, de Chris, de bâtard, d'esti. C'est quoi les esti mots? Je l'insultais avec tous ces mots qu'il aime pas. Esti. Ah ouais, tu peux juste dire ta gueule Linus puis tu gagnes toutes les jeux la de l'histoire. Ouais, Linus couché, tabarnak. Va me faire des toasts, esti. Va me barbecue, esti. Mets tes running, gros cave. Mais moi, dans le fond, mes chroniques, dans le fond, je vais avoir deux morales, OK? Chaque petite chronique que je vais faire, il va y avoir une morale sur chaque chronique. Fait que c'est ma première morale. Oh, Chris. Le tabarnak 2018 garanti. Fais étiner par des mots calistes, tu iras pas loin certains, là. C'est fait vrai. Que le gros, là, arrête de chialer, arrête de donner, puis d'assiette. Arrête calice. De faire ta tapette. Ben oui. C'est moi, est-ce que c'était ma période, Richard Martineau. Oui. Mais non, c'est vrai, là, c'est vrai, ça. Mettons, les immigrants.
Puis pour ma deuxième chronique. En plus, le monde ne voit pas ta face pendant que tu le fais. Fait que le monde ne comprend pas nécessairement le niveau. C'est ça qui est malade. En tout cas, puis dans le fond, pour moi, ma deuxième chronique. Vraiment pas pour eux, mais. Ma deuxième chronique. Ouais, pas obligé. J'ai une petite histoire à vous conter. Que j'ai marqué pour une histoire assez personnelle à moi. Fait que je commence. 2 février 2018. Oh! C'est il y a quand même longtemps. C'est fut un jour en cellier. Là, j'étais un passé simple, mais je vais retourner où. C'est une dictée que tu as eue. Oh, ouais. Je me dirige vers un travail pour y compléter un corps de 8 heures. De 8 heures? De 8 heures. Oh. C'est d'allemand. La route écrit en allemand à lui-même. Non, parce que je ferais du franc allemand. Il invente de l'allemand. Il ferait du franc allemand. Rentureux! Route, t'es tranquille. C'est tout comment ça sonne de l'allemand, hein? Oh ouais, on a toute une bonne idée comment ça se gonge en mettant des consonnes au travers de ça. Tout le monde sait comment ça se parle un peu, tu sais. Fait que la route est tranquille jusqu'au moment où j'aperçois un automobiliste immobilisé avec un capot ouvert sur le côté de l'autoroute. Mm-hmm. Étant un soyez modeste, je lui demande « Voulez-vous de l'aide, monsieur? » Puis même ça c'est de l'italien. Oui. Abasourdi par cette proposition, il blasphème. Il me crie par de tête qu'il est mécanicien et qu'en aucun cas il accepterait de l'aide d'un simple citoyen. Comme moi. Moi, ça. Hein, citoyen. Paye mes taxes, tabarnak! Mes calices. Citoyen, moi. Hey, tabarnak! Lui, peut-être, pas moi. Ah ouais. Moi, j'en paye pas de taxes. Je suis en 2018, esti. Ah ouais, Chris. Mais ouais, esti. Hey, paye des taxes. Pas d'impôts non plus, moi, je sais. Non, c'est pas mal, en tout cas. Non, c'est certain. T'as eu un salaire pour ça, payer de l'impôt. Non, c'est correct. Ah, c'est pour ça, la barbe. Ouais. Coûte cher, on rose voir, esti. Je comprends tout, à cette heure. Tu sais, c'est un patin. Pourquoi? Continue. Ouais, non, c'est... Moi, simple ce citoyen, confus par cette situation, je retourne dans mon véhicule et reprends mon chemin. Fait que je m'en calisse du gars dans le fond, en beau français, là. Hey, décalisse, tu veux pas de moi? Décresse. C'est vrai, ça. Hein? Je peux tiens que faire une parenthèse pendant que je pense, j'ai complètement oublié la semaine passée. Non, mais c'est pas ça. Mais calisse! Non, c'est parti d'histoire, je l'ai. Honnêtement, ça part. Ben oui, ça part. Ça part pas, mais honnêtement, c'est important, puis sinon, je vais l'oublier. Je voulais juste remercier Frédéric Viola qui nous a fait un nouveau logo. Ah, ben oui, ben c'est, oui. La semaine passée, j'ai complètement oublié j'ai complètement oublié la semaine passée de le remercier. C'est vrai que ça aurait pas pu attendre la fin de l'épisode. C'est super important. Je vais oublier sinon. Je sais que je vais oublier sinon. C'est juste pour ça. Non, mais je vais l'utiliser dans mon spin-off. Ah, OK. Ouais. Il fait partie de l'histoire. Ouais. À partir de maintenant, okay. Oui. Ah ouais, il fait des sautés de début de semaine. Là. Là, il reste plus rien dans le fridge. Ça dedans. Confus par cette situation, Frédéric Viola une chèvre. Christ. Un esti de jeu de mots avec son nom de famille. C'est la première fois que t'entends ça, hein, Fred? Okay. Mets ça dans ta pipe pis fume mon nostigé. Mais non, ok. Excuse-moi, c'était de la merde. Non, mais gros, merci pour le logo, man. C'est fucking impossible. Ouais, il est vraiment nice. Ouais, il est fucking beau. Ouais, très beau. Ils en feront plus de logo, le monde. Ils en feront plus, man. Ils en feront plus jamais des logos. Si on lui en fait, des logos. On lui a des espérants dedans. Confus par situation, je retourne dans mon véhicule et reprends mon chemin. Mon corps étant terminé, je repars à nouveau. Vraiment, domicile. Ce même mécanicien est toujours sur le bord de la route. Toujours. Il est devenu charpentier puis il s'appelle Jésus. Ouais. Ouais. La morale d'histoire, les boys, hein? C'est que ce gars-là, finalement, c'était un nazi. Puis il y avait 2 burritos dans son fœtus. Burrito? Faites pas confiance aux humains. Oh, and he dropped the sheets. Drop the book. Drop the book, man. C'est ça que j'ai fait Chris... pendant un mois de temps. Hey, ben écoute, tu vas peut-être pouvoir le publier un jour. Ah ouais, oui, c'est un roman, c'est une nouvelle en fait. Calé, j'ai eu l'impression de me faire stabber dans les cuisses pendant 2 minutes. Une nuit de la poésie. Ah bah ouais, tout chose. Moi, je suis bien populaire dans le monde des poètes, là. Tout le monde, c'est un vrai micro. C'est-tu un vrai. Il drop à terre comme le lit.
Oui, oh, c'est un micro avec clip. Moi, ouais, c'est un clip. Ouais. C'est de rap que ça. Ouais. Bon, ben, merci. Ben, 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 je suis encore confus. Le gars est capable pour vrai. Alors, pick up l'énergie à cette heure. Ouais, ben, bonne chance. Regarde. Bonne chance, ouais, mon homme. Moi, depuis qu'il a parlé de nazis et de brutaux, j'ai faim. Ouais, non, exactement, moi aussi. Mais les chips, si vous voulez, boys. Ah, j'ai même du beef jerky. Il y a une raison pourquoi je passe tant à faim, absolument. Ouais, c'est vrai? Là, t'es l'invité, on n'allait pas te faire passer à la fin. Ben non. Ben oui, c'est toi l'invité. Mais écoutez, ben je viens de me prendre une bonne grosse gorgée. On va y aller. Allez. Attention, là. Moi, étant donné qu'on a parlé comme sujet d'introduction du fucking Texas, genre, ça tombe bien parce que moi, je veux vous parler de la France parce que c'est pas vrai qu'on va faire un épisode. Ça tombe bien qu'on a parlé du. C'est pas vrai qu'on va faire un épisode de 11 barres de casse sans parler de, genre, toute la merde qui se passe là-bas au moins une fois. Absolument. Ouais. Tu veux te remercier quelqu'un pour l'idée du sujet? Oui, non, exactement. Le shout-out, il va à Sana, qui est notre coach de moutard, et moi, puis Marco, qui était déjà venu sur le podcast. Un excellent épisode de cela, plusieurs semaines. Mais cette semaine, il nous dit à moi, puis Marco, Chris, les boys. Savez-vous c'est qui Éric Zemmour? Ce n'est un esti de colon de l'autre bord de l'océan. Je suis sûr que vous aimeriez parler de ça. Puis là, j'ai fait, ben Chris, m'en aller faire mon enquête. Puis, en effet, un colon, il y a de l'autre côté de l'océan en ce fameux personnage de Éric Zemmour. Et checkez bien ça. Il y a plein de bonnes idées, OK? Il est brillant. Oh. Je vais vous présenter ses idées. Je vais vous laisser vous faire une opinion de ce qu'il en pense. Ouais. Il a fait controverse récemment en passant une émission style Tout le monde en parle, talk show général, blablabla. Ouais, ben, il y en a un, Tout France. Le monde en parle en c'est France. Bienvenue les terriers. Ouais, c'est quelque chose comme ça. Là, mais il en fait une coupe. Mais lui, il est là souvent. Mais il se promène. Zemmour, c'est exactement le Richard Martineau. C'est un Richard Martineau, Éric Duhaime. Il avait fait péter une coche à Anne Dorval quand il parlait contre lui. Exactement. C'est vraiment un polémiste. C'est juste ça qui veut. Exactement ça. Ben écoute, Chris, il s'est pas planté la dernière fois qu'il est passé, fin de semaine passée, dimanche, quelque chose du genre. Il est arrivé avec une nouvelle idée, c'est-à-dire les prénoms pas français, ça devrait être interdit. Puis wow. Ça, il a dit ça d'en face d'une dame d'origine africaine, mais née en France, nommée Absatou, si. C'est pas un prénom traditionnel français, fait que lui, il a fait « check bien ça, la grande, on va te faire chier ». Une hostie de grosse barbe. Oh, man. Puis, il a dit, tu devrais pas avoir le droit de t'appeler de même. Ta mère a fait une erreur. Tu sais, ouais. Des beaux sujets comme ça. Puis là, quel con. La dame l'a regardé d'un air de dire, mais t'es un hostie de cave. Puis, probablement pensé en dedans lui, au fond, oui, je sais, mais en même temps, il faut que je paye mes hosties de factures. Ça coûte plus de 75$ une épicerie. Il hein? faut que je fasse de l'argent, il faut que j'en vende des livres à tous les racistes du monde. Ouais, mais clairement, il manque vraiment de culture en plus parce que le français, la place où c'est le mieux parlé à travers la planète, c'est en Afrique. C'est toutes les places en Afrique qui parlent c'est le français. Mieux parlé, c'est le ouais. plus parlé. Non, le mieux parlé. Le grammaticalement parlant, c'est toutes les côtés dans certaines places au Maroc qui parlent français. Ouais, mettons, les Français colonies, de France, mettons, eux, ils ont plein d'anglicismes. Ils utilisent du parking, okay, tout C'est scrappé. Ici, c'est le même principe. Ouais. Puis en Afrique, c'est là que c'est vraiment plus le by the book, le vrai français. Ouais. Ça, ah ouais, OK. T'as pas tort, c'est vrai, mais écoute. Mais lui, c'est ça reste un esti de cave. Ça, c'est pas quelque chose que M. Zemmour est prêt à prendre en considération parce qu'il s'est viré et il a fait non, ton esti de prénom, c'est de la merde. Une autre dame qui était là sur. On va t'appeler à la Catherine. Table, à la table. Ben, la fille a dit je devrais-tu m'appeler Marie? Puis il a répondu oui. Puis là, il y a une autre fille qui a demandé mais moi, mon nom, c'est Natacha. C'est-tu assez français? Il fait non, faudrait plus que ce soit Nathalie. Fait qu'en d'autres mots, il doit avoir genre quatre noms dans sa tête, probablement tous les noms de ses ex, qu'il a fourré avec son pénis vraiment mou une fois avant qu'il parte en pleurant. Surtout qu'il s'appelle Zemmour. Surtout qu'il s'appelle Éric. Éric, c'est pas très français, c'est beaucoup. On s'entend que ça vient des peuples vikings de du Nord, c'est scandinave, pas mal. Monsieur Éric Zemmour devrait donc.
Allez se geler le cul au Groenland. Zemmour, pas, on dirait genre ça. Le jumeau diabolique de l'amour. Zemmour, genre, Zemmour. Ça serait un bon personnage. Moi, moi je trouve que ça sonne pas très français. Je trouve que ça sonne importé beaucoup. Fait que monsieur devrait colisser son camp. Mais oui. pas ici, je veux pas ici. Non. On a nos capochons. Fait que on va régler les nôtres. C'est vrai. Ouais. Checker bien ça. Un autre de ces belles remarques dites il y a pas longtemps que celui-là m'a chatouillé. Était moins récente. Mais il est venu me chercher. Il a dit que à Paris, 95% des crimes sont commis par des Noirs ou des personnes d'origine arabe. Les autres personnes à la table de discussion lui ont répondu quelles statistiques tu utilises pour faire ça. Mes yeux. Il a dit ben je le sais pas. Il y en a pas de statistiques là-dessus. Moi, je le sais. Fait que j'aimerais qu'on puisse prendre le nom de Éric Zemmour puis le coller en dessous de la définition de parler à travers son cul. Parce que honnêtement, ça fait aucun calice de sens. Genre, je sais quelle quantité de crimes que je commets par année, là. Puis c'est pas vrai que la quantité de monde qu'on est blanc, avec mon niveau criminel, 95% des crimes sont commis par les Noirs. Faudrait que les Noirs travaillent 36 heures semaine pour compenser le fait qu'ils sont pas beaucoup dans notre société pour commettre assez de crimes pour être 95%. Ouais. Tu sais, c'est des mathématiques noir, de pas assez travaillant pour faire ça. Non, exactement. Oh, tu dis que ça serait malade comme swerve à la fin. Un esti beau swerve à la fin. J'essaie de défendre, puis je me Ils sont bien trop occupés à voler nos jobs pour commettre toutes ces crimes-là, calice. Voyons donc. Tu peux pas cueillir des fraises pendant 12 heures, violer pendant 6 heures, puis genre aller voler dans des dépanneurs pendant 12 autres heures. Passer d'heures dans une journée, ça. On a besoin de dormir, ce monde-là. Paresseux, en plus. Calice. Calice qui ont des bonnes secrétaires. C'est mon agenda pas organisé de même. Félicitations pour votre beau programme. Fait que c'est ça, là. Ça présente assez bien le personnage de Zemmour. Mais il faut souligner le fait que s'il y a des personnages comme ça dans notre société, c'est parce qu'on value en Occident la liberté d'expression qui défend le droit de chaque personne de s'exprimer sur la place publique, de présenter des idées, puis de les faire valoir, de les faire se faire observer par tout le monde. Fait que moi, j'ai quelques idées à présenter aussi, puis je vais faire valoir ma liberté d'expression. Premièrement, je voudrais qu'on retourne la France aux vrais habitants de la France. Puis là, je dis pas les Français, parce que les Français, c'est toute une bande de colonisateurs romains, chrétiens, puis fuck ce monde-là. Ouais, les dinosaures. Je dis pas les Gaulois. Je dis pas les dinosaures non plus, parce que les dinosaures, ils ont juste volé les terres du monde qui était là avant. Et France aux atomes. J'ai nommé les protozoaires. Les protozoaires, OK, pour ceux qui se demandent c'est quoi... Ouais. J'ai une petite définition ici. En biologie, le terme protozoaire, qui vient du grec proto, donc premier, et zoon, ouais, ça veut dire animal, là, je ne sais pas du tout ce que évidemment, ça vient de ça. Mais Zoro, Mexique, animaux. Épée. Bandana. Oui. Crips, Yo. Gun. C'est ça, gun. Blood. Là, je sais plus où pantoute. Il fait juste comme enchaîner plein de mots comme un esti de malade mental. Attends, c'est bon. On dirait qu'il joue tout seul à un jeu vraiment bizarre pis pas défini. Ouais, non, c'est ça. Des associations de mots. T'es en train d'avoir une attaque en live sur le podcast. Associer des mots jusqu'à temps que vous sachiez plus vous êtes qui. Ouais, c'est mais ça, exactement. On va revenir à notre mot de base, le protozoaire. Ça désigne des protistes, c'est des êtres unicellulaires et sans tissu spécialisé. Oh. Si vous savez pas c'est quoi ce tissu spécialisé, googlez-les, je sais pas non plus. Hétérotrophes mobiles, je sais pas ce que ça veut dire, qui ingèrent de la nourriture par phagocytose, je sais pas ce que ça veut dire, mais ça ressemble par la, à c'est fagote. Par la peau, c'est la membrane. Je trouve que c'est problématique comme terme. Là. La biologie devrait changer leur langage. Ouais, ouais. Calistes qui sont intolérants. Puis contrairement à deux autres types de protistes, les protophytes et les protophycètes. J'ai aucune calice de ce que je dis en ce moment. Les protozoaires sont souvent unicellulaires. Ce sont toujours des petits organismes approchant le millimètre ou plus gros. Mais ils s'associent souvent en groupe pour former des colonies que l'on désigne comme étant des super-organismes. Puis c'est ça, la vraie
société française. Fait que tout le monde qui n'est pas un esti de membre de cette société-là devrait colisser leur camp et retourner chez eux. Oui, parce qu'ils participent pas à créer un super organisme. Puis par retourner chez eux, j'ai une mission pour ça, OK? Checkez bien ça. On prend Zemmour, Éric Duhaime, Richard Martineau, parce que moi, je veux qu'on ait du monde de partout dans le monde. Là. Je suis pour la diversité, je suis pour le partage culturel. Oui. C'est comme l'Arche de Noé, genre, tu mets une personne C'est basically ça. On se prépare une grosse calice d'arche, OK? On met Guintan Barrette parce qu'il faut qu'il y ait un gros aussi, parce qu'il faut qu'on représente les gros dans notre nouvelle société. Guintan Barrette, la meute au grand crise de complet aussi, OK? On les load dans un esti de gros roquette de SpaceX avec calissement des bibles, OK? Genre, crissement des bibles. Puis on les shoot dans le soleil. Puis on établit une nouvelle colonie dans le soleil où est-ce qu'on va tout retourner à l'état d'atomes d'hydrogène qui sont les premiers atomes à s'être formés. Fait qu'on retourne à notre état primordial. Mmh. La façon dont on est supposé d'être, la façon dont on est né. On est tous pareils, dans le fond. On est tous des atomes d'hydrogène. Si on était tous des atomes d'hydrogène, on n'aurait pas de problème. Oui, on est fait à 80%. Ouais. Puis après ça, on envoie la deuxième batch. Après, là, on pourrait mettre, mettons, Marco. Le soleil, c'est comme un Christy four. Mac, tu te gâteras. Christy Mac. Okay. Ouais. Elena Paul. Pas Elena, tabarnak, c'est Lena. Un peu de respect, mon gars. Hey, come on, là. Ça, ce monde-là construise des trademarks, qui travaillent fort. Ces gens-là se font enculer sur Internet pour que tu puisses te crosser, hostie. Elle a un père, ce pays-là. Les gars! Ah, ça, ça en prend une pour l'équipe en tabarnak. Hey, man, pour que tout le monde puisse juste se crosser pendant 5 minutes, c'est un service qu'elle donne. Elle est malade, cette femme-là. Surtout que j'ai jamais payé pour de la porn, là, on va se le dire. Ben non, gratis, là. J'ai pas donné une pièce de scène à Star Wars. J'ai déjà payé. Ah, c'est arrivé une fois, mais c'est genre le petit truc de genre, OK, t'as deux jours gratis, ben, plus j'ai pas besoin de mes abonnés. Jusqu'à temps que je me rende compte. Ça a pris une couple de mois en plus avant de me rendre compte que ça me coûtait 30$ par mois, puis je n'ai même pas consommé. Mais tu peux streamer des films. Après deux jours, je savais pas que je l'avais. Fait que pendant trois mois, j'ai payé. Moi, j'ai déjà essayé de payer, mais quand j'étais un rookie de la branlette, vraiment jeune, je pense que j'avais pas de carte de crédit. Fait que j'ai tout rempli des petits formulaires pendant fucking longtemps. Puis en fait, ça a dit carte une de date crédit. De t'étais bandé qu'il y a le tabarnak et l'autre gars. C'est bientôt. Tu veux les images, tu le tournes. JF à 12 ans était bien déçu. En plus, quand j'ai cliqué sur Feebell, j'ai éjaculé. Écoute, même pour le temps de l'eau dans la page, j'étais fini. En plus, t'as regardé les démos et t'as fait Oh, je l'ai. Je vais retrouver la petite noire. C'est sûr, c'est ça qui est arrivé. Ah ouais. Ouais. Mais non, j'ai une manière, je me suis rendu compte que comme les films normaux, tu peux juste les streamer. Ben oui. Fait que, honnêtement, le full length est quand même cool. Ça fait plusieurs fois que t'essayes de me défendre pas, ça, puis Ben, moi, je trouve ça cool. Mais je me crosse pas pendant 45 minutes, anyway. Je vais y aller straight to the point. J'en écoute deux, esti. C'est ça. J'ai pas besoin d'être romantique. Genre, c'est pas comme, OK, là, je vais mettre un petit bain, esti, m'écouter le film au complet, je vais prendre mon temps. Ben, la crise. Je me fais pas de bain, là, comment? Dans le bain. Non, mais je me crosse pas dans le bain. T'es dans un bain, ton sperme, c'est comme... Chaque gars qui s'est déjà crossé dans un bain, le bain, il y avait pas d'eau dedans. Dans un bain. Qu'est-ce que j'ai fait? Il y avait juste pas de siège chez toilette dans le bain. avec des bottes de pluie pis des gants à vaisselle. Oh! Juste des gros bas de laine. C'est tranglant. Le bruit de se crosser dans des gants de vaisselle, ça doit être horrible. Ça doit être irritant pour le bat aussi. Tu mets du savon, calice, t'es pas loin de façon. Dans le bain. Je suis pas un fan de savon, je préfère le shampoing. Après ça, ça te rentre dans l'urette puis ça chauffe quand tu pisses puis tout. Ouais, mais ça chauffe déjà quand je pisse, fait que c'est pas grave. T'es pas adéste. Ben oui. Pas d'honnêteté, moi je suis prêt. Expérience. Yes. C'était la fin de ma chronique. On peut finir ça là. Je retournerai pas sur les atomes. Il faudrait juste que je prenne le temps d'ouvrir mon shit. Ça, ben tabarnak de calice. Alright, fait que moi cette semaine, ma chronique, dans le fond, je voulais parler des pires initiations qui ont mal tourné. C'est tellement bon. Souvent par la mort, je vous avertis tout de suite. Yes. La première, c'est passé en 1990, c'était la confrérie Sigma Nu de l'Université du Texas qui, en guise d'initiation, ont sauvagement battu un initié
avec un marteau avant de le mettre en feu. Ah, ben oui. C'est où, man, ça? C'était au Texas. Ah, OK, au Texas. Mais on finalement, dirait... après ça, le gars, il était-tu dans la gang, pareil? Ben... Est-ce qu'il était cool? Oh, je sais pas s'il était dans la gang, mais ça a fini en cours. Fait que probablement... non. Ouais, c'est ça. Pas. Fait qu'ils l'ont recrit ça en feu. Stitches, Stitches got stitches. Non, mais ça aurait été drôle qu'il y ait en cours puis qu'ils perdent. Ils ont des situations aussi que c'était fait. Arrêtez de faire votre tapette, c'est votre initiation. En feu, que tu fasses le tour de l'école. Puis après... Elle l'est faite, moi, la barnaque. Même les pas Sigma. Par... C'est pour ça que je suis devenu juge. Puis là, il y a son gros marteau. Il fait ça à la tête. Puis le... Il y a l'esti de Alpha Sigma tatoué sur le cul. Il monte dans le cou. Alpha Sigma. Ouais. Le pire, le fun fact dans cette histoire-là, John Hamm. C'est le fun fact. John Hamm, l'acteur principal de Mad Men, était dans les investigateurs de cette initiation-là. Il était dans l'eau. Il était dans l'eau, ces gens-là. Il était dans sa gang-là. Oui, il était dans sa gang-là. Ça date, là. Ouais, c'était les années 90. En 90, exactement. Ok. D'après ça, le monde qui faisait le casting pour l'émission Mad Men, mon colissement spoté-là, ils ont fait toi, tu fites le profil. Ouais, c'est sûr. Même des Bloods ont fait. Chris, vous êtes allé loin, là. Ouais, ça avait été rough, les boys. Là, en feu ou un marteau, mais là, les deux en même temps. Mais c'est quoi cette crise d'initiation, là, tabarnak? Tu bats coup de marteau, tu crises du gaz. Là, dégénéré, hostie. Ils l'ont tué, là. Tabarnak, c'est comme un gangbang qui devient le meurtre, ça dégénère en tabarnak. Le gars, il est mort, ouais. Le gars, il est mort. Non, il est pas mort. Ah, il est pas mort. Non, il est en cours. Il est pas mort. Il est amené en cours, puis... Ah, il est pas mort, ça va, là. Ah, c'est pas mort. Mais c'est quoi le chiolage? Il est pas mort! Il est pas mort! Non, mais t'es un petit coup de marteau, un petit peu d'huile sur le feu. L'avocat des autres jeunes... Ah ouais. L'avocat des autres jeunes qui l'ont mis en feu, et c'est ça son point. Ben non, il est pas mort! Il est pas mort! Asti, qu'est-ce qu'on fait ici? Qu'est-ce qui nous tue pas nous rend plus forts? Ben puis ouais. Fait répéter ça genre à toutes les 10 minutes. Lui, il a juste plein de séquelles. Regardez, juré. C'est un handicapé, il a des meilleures places maintenant. Il est plus fort. Il a la même face que Deadpool. Il essaie juste d'être vraiment convaincant avec le juré. Comme je le répète, et je vous le répète encore, ce qui nous tue pas nous rend plus fort. Regardant dans les yeux le gars qui est dans le ventre. Ce dude-là est devenu Stephen Hawking. Ouais. Sinon, deuxième qui s'est passé à l'université de Tulane dans la Nouvelle-Orléans, des initiés de la confrérie Pi Alpha Kappa ont été mis à l'épreuve. C'est des malades. Amen. Ils ont été mis à l'épreuve la plus souffrante qu'ils pouvaient avoir expérimentée. Ils ont placé sous de l'eau bouillante. Ils ont assaisonné avec du pepper spray. Puis ils ont rajouté aussi des assaisonnements à crabe quand tu le fais bouillir. Genre, ouais. Puis, comme plein de sel, puis de poivre de cayenne, puis de shit de même. Qui brûle la peau grâce à. Ouais. Avec le pierre au rein. Fait que les soi-disant concurrents devaient pas crier de douleur sans quoi ils étaient éliminés. Ouais. Fait que plus la soirée avançait, plus l'eau devenait chaude, plus les brûlures étaient profondes. Un des initiés a subi une brûlure au deuxième et troisième degré au dos, au chest, puis aux parties génitales. Puis mettons que t'étais éliminé, il arrivait quoi? Ben, j'imagine que tu rentrais pas dans la confrérie, genre, ça devait être ça. Ça te tente pas de juste aller, genre, rejoindre le club d'échecs, là, à ce stade-là? Hey, man, fumer des battes avec les nerds, là. Rendu là, va chier, là. Non, mais rendu compte que l'épreuve, c'est justement soit éliminé le plus rapidement possible, tu vas être dans la confrérie. On veut pas d'un petit crétin qui se brûle. Le dernier qui reste super, genre. Hey, le gars. Mais juste, ben non, t'es un malade, on peut pas ici. Crétin, ça fait une demi-heure que t'es en dessous de l'eau bouillante, calice. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, que c'est... Parle pas. On dirait que c'est pire que les motards et tous les clubs. Ah ouais. Calvaire. Ça, c'est les pires exemples. Les motards sont organisés, eux, c'est genre des cégepiens. Mais s'ils sortaient du chaudron, c'est quoi qui arrivait? Genre, ils se faisaient battre avec un marteau. Ils étaient pas dans un chaudron. Ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il y avait de l'eau bouillante qui lui coulait dessus comme si c'était une douche. Ok, ouais, c'est brillant. Ce que j'ai cru comprendre. Mais. Fait que, dans le fond, la personne qui avait le chest, le dos, puis la graine brûlée, il a dû subir des traitements deux fois par jour pour traiter ses brûlures. Il a pas été en mesure tout de faire... Tout le monde l'appelait la graine, en plus. Ah, après, ouais. Genre, juste pour le niaiser, c'est comme... Ah, il a lâché... Burn dick! PD! Voyons. Y a-tu rentré ou... Au final, c'est-tu plus ridé quand il est bandé ou quand il est pas bandé? Ouais, ben, tu... Juste comme un coup de soleil qui enlève sa peau
Oh, la cloche, mon gars. Mon pénis immu. Un serpent. J'ai eu une vraie image. Ah, c'est dégueulasse. Fait que okay, finalement, il n'a pas été en mesure de finir ses examens puis de voyager cette année-là. Finalement, il était dans la gang. Dans la gang, il était cool. Mais je sais pas s'il était dans la gang parce que les gars de la confrérie ont fini par se faire arrêter. Fait que d'après moi, il a juste fait comme. Hey, Chris, gang, temps, merci, tu nous as je comprends. Ouais, mais je comprends pas. Je comprends pas comment tu sais pour que t'as fait ça aussi longtemps puis après faire. Me semble que ça avait pas d'allure. Ouais, c'est vrai. Ah, c'est mais weird, c'est ça. Vrai. Chris, ça fait mal. Là, le tabarnak. Ça fait vraiment mal. Pourquoi je reste tout comme mais ils l'ont fait, ce test-là. Le test, voyons, c'est quoi déjà le nom du. Le truc d'autorité, là, que la personne va voir. Ah, le test du bip-bip, là, les dieux. Je l'ai fait. C'est drôle parce que c'est comme quasiment un lien. La pire merde. C'est stupide. C'est un rat de laboratoire. Tu parles de quoi, la faire des chocs? Ouais, des chocs électriques, ouais, en tout cas, whatever. Ben, ouais, c'est genre Will quelque chose. Milgram, c'est ça. Ouais. Ah, je l'ai vu en flou. Mais c'est ouais, c'est quelque chose qui monte souvent dans les cours comme ça. Mais c'est important. Ouais, absolument. Puis ça l'explique bien ce cas-là, ouais. D'ailleurs. C'est sûr que c'est pour ça. Puis d'ailleurs, il y a une importance aussi reliée probablement à rentrer dans une confrérie parce que c'est dans les films depuis très longtemps, dans une confrérie, ouais. C'est genre, c'est le gros party, puis genre, tu vas fourrer comme ça se peut. Ouais, mais tu sais, moi, j'ai écouté American Pie. Ouais. Puis j'ai pas été dans une confrérie, puis je suis quand même capable de faire le party, puis de fourrer pareil. Là, aussi, ça va. Il y a d'autres options. Ouais. Mais aux États-Unis, il y a une espèce de. Ça, so, la confrérie aussi dans American History X, ouais, là, ouais, un peu. Il y a le truc que t'as. Mais ça a l'air cool. Une confrérie, c'est bien. Ouais, mais tu sais, si t'es le gars badass de l'école, la confrérie, ils vont vouloir chiller avec toi. Pas besoin de te brûler. Parce que là-bas, il y a genre, mettons ton père ou des personnes que tu connais de ton entourage qui ont été dans des confréries, qui font hey, quelle confrérie tu vas prendre parce que nous autres dans la famille ça a toujours été cette confrérie-là par exemple peu importe c'est bon c'est toutes ces choses-là faut juste que tu bois de la pisse pour rentrer mais, ça, mais moi je trouve que dans mon temps c'était pire peu importe à quel point c'est cool aux States moi je vois ça comme les chevaliers de Colomb mais c'est tellement ça man bah, moi les chevaliers de Colomb une gang d'hommes tristes moi les chevaliers de Colomb faut les affaires pour la communauté là. ouais comme boire beaucoup puis nous crisser patience ouais c'est vrai mais l'affaire de Milgram c'est fucked up par exemple moi quand je me rappelle quand j'avais vu ça au cégep Milgram Experiment. Puis le prof qui nous expliquait ça, il disait que peu importe c'est quoi que tu fais dans la vie, t'as tout le temps le choix. Mm-hmm. Genre, on s'en calait, t'as tout le temps le choix. Puis il nous expliquait ça en ramassant ses affaires. Puis il était juste comme moi, je pourrais sortir de la classe à l'instant même. Puis il est parti. Il est juste sorti. Il est pas revenu du cours. Là. Il restait comme 45 minutes. Il a calissé son camp. Puis nous, on est là, on est comme... Ils vont revenir. Ah, c'est sûr. Mais non. Après, tu t'es comme tabarnak. Mais c'était probablement ça, justement. Je m'en suis rappelé toute ma vie. Là, t'as tout le temps le choix. Ça te fait chier de travailler là. Juste, va-t'en. Bye. Es-tu revenu éventuellement ou il y a juste. Non, oui. Ça a été malade qu'il arrête complètement. Genre la semaine d'après. Qu'est-ce qui t'est arrivé, lui? Ben, il s'est suicidé. C'est toujours le choix. 5 minutes après, le monde sont encore dans la classe. Ils se disent, ah, il va revenir. Puis il y a un corps qui tombe. Tu vois passer. Tu vois juste les jambes qui suspendent dans le vide. Est-ce qu'il vole? C'est un miracle. C'est Superman. Il vole. Non, il s'est pendu. Mais ça doit s'appliquer, le truc Milgram, à des affaires à plus petite échelle aussi. Parce que c'est sûr, si on le met sur quelque chose de grossier, comme se faire ébouillanter par de la liquide bizarre. Mais ça peut être aussi juste une personne qui travaille à une place toute sa vie, même s'il déteste ça. T'as tout le temps le choix de t'en aller. Là. Qu'est-ce qui fait que ce gars-là reste? Ouais. Probablement l'argent, probablement d'autres affaires, qui joue un espèce de figure d'autorité. Ça, c'est pas tellement le Milgram, c'était plus Milgram, que t'as une personne qui a de l'autorité, qui a une forme, qui dit de faire de quoi. Même si c'est contre tes principes, vu que, tu sais, dans le fond, toi, t'as pas de responsabilité, c'est elle qui t'a dit de le faire. C'est son problème. Dans la vraie expérience, il donne des chocs électriques à un être humain s'il donne pas la bonne réponse. Les chocs vont tendre de plus en plus haut. Je me rappelle. La personne, check, ça sera pas
t'as pas de responsabilité là-dedans, juste c'est ça qu'il faut que tu fasses. Mm-hmm. Là, mauvaise réponse, choc électrique. Oui, oui. Mais je me rappelle du test. Mais l'idée, en fait, c'est plus que, genre, la figure d'autorité, en fait, c'est plus le rôle de la figure d'autorité sur les actions d'une personne, puis jusqu'où cette figure-là d'autorité peut jouer sur elle. Fait que peut-être que la figure d'autorité, au lieu d'avoir un sarrau, par exemple, pourrait être quelque chose d'autre. Ça pourrait être même un objet, comme par exemple de l'argent. Toutes les uniformes. Est-ce qu'on peut ça se transpose ça c'est plus des histoires de facteurs motivateurs puis de ça ça vient plus quasiment ce qu'on appelle du behavioral economics là, c'est l'économie comportementale là, c'est comment qu'une personne c'est drôle hein, même behavioral economics c'est relativement récent ça a l'air pas ça nécessairement si basé dans la science dure que d'autres branches de l'économie là, c'est plus dans le Ben oui, c'est quand même dur aussi d'inclure l'économie dans quelque chose de très scientifique en termes de comportement. Ouais, mais ça reste une science sociale, mais c'est que la psychologie est une science très sociale aussi. Là, fait que ceux-là sont tout le temps durs à placer dans méthodes scientifiques. T'as toujours un philosophe qui va faire genre « c'est pas une science, Chris ». J'ai un prof de philo, là, que genre, j'avais mon cours de philo, juste après j'avais un cours de psychologie. Puis genre, tout le long de mon cours de philo, il faisait rien que chier sa psychologie. Fait que j'arrivais dans mon cours de psychologie, blad disait à la fin, puis genre... J'avais dans ma tête que c'était de la crise de merde. Ouais. Fait qu'on dirait que je la réfutais plein de fois comme un espèce d'enfoiré. Mais là. C'est comme ça que t'apprends. Parce que, tu sais, mettons, peu importe c'est quoi ton point de vue sur n'importe quel sujet, d'un autre point de vue, de juste un autre angle, tu vas avoir l'air d'un crétin de penser de même. Mais juste regarde en jaser avec cette personne-là, c'est comme ça que t'avances. Absolument. C'est les élections présentement. Moi, j'ai demandé à quelqu'un de ma famille, genre, pour qui il allait voter, puis elle s'est quasiment fâchée. C'est comme, Chris, pourquoi tu penses que c'est dans un isoloir? C'est confidentiel. Je suis comme, oh, tabarnak. Je m'en calisse, que même si tu votes pour quelqu'un que moi je trouve stupide, t'as le droit sur tes affaires. Là. Mais c'est une personne qui a des convictions. Si on en jase, on peut juste, comme, juste savoir pourquoi tu votes pour lui. Peut-être moi je le trouve cave, mais toi tu le trouves brillant dans un autre angle. Si elle trouve ça gênant, sa conviction, c'est que peut-être qu'elle pense pas tant que ça, ou même peut-être qu'elle sait pas comment l'expliquer tant que ça non plus. Là. Je veux dire, pourquoi tu serais gêné d'une conviction qui t'habite, genre. Intensément, là. Des fois, c'est une question d'habitude aussi. Il y a du monde qui vote pour un certain parti parce qu'ils ont tout le temps voté pour eux, puis ils savent pas pourquoi ils votent pour eux. Fait qu'aussitôt que t'es confronté, ils savent pas quoi répondre non plus. Alors, c'est du monde qui aime pas parler de politique en On perd la capacité à dialoguer. Puis sinon, on va du conflit. Vous aviez souvent très émotionnel, surtout de ce temps-ci, je trouve que ça dérape. Moi, je trouve ça cave voter pour la CAQ. Je trouve que c'est comme investir dans un. Mais moi, je vais voter pour la CAQ d'abord. Mais t'as le droit. Ça va. Mais tu sais, je vais pas me fâcher. Parce que je me suis informé. Fait que je sais à peu près qui se situe où. Puis la CAQ, moi, je trouve ça stupide. Mais si toi, mettons, tu me dis live, tu votes pour la CAQ, genre, all right. Je voterai pas pour la CAQ. Je sais que tu vas voter pour la CAQ. Je vais pas me faire défoncer mon char. Mais je serais comme genre, c'est tes affaires. Pourquoi? Puis juste on jase. Il y a beaucoup de monde qui ont comme une relation différente par rapport au discours politique en général, puis soit qui aiment pas en parler, soit qui veulent vraiment comme garder ça secret là, genre. Moi je me suis pas assez renseigné en fait, c'est vraiment ça qui me rend perplexe avec ça, puis les gens sont pas tout le temps à l'aise de le dire, je pense. As-tu écouté le débat des chefs? Non. C'est juste quatre innocents qui veulent nous vendre leur salade. C'est comme tu vends des balayeurs. C'est là, tous des voleurs. Yes. Je connais les idées. Je connais les idéologies politiques, genre, tu sais, comme décortiquées dans un cours, tu comprends? Mais dans la vraie vie, c'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne, tu sais. Puis genre, tu sais, je peux avoir une petite idée de où est-ce que je m'en vais, mais honnêtement, je me suis pas renseigné tant que ça. Puis genre, si on en parle, je suis comme, qui tu vas voter? Moi, je suis tout le temps, ben, Chris, j'ai aucune idée. Là, sincèrement, je suis même pas me placer là-dedans. Moi, je vote pour le parti qui veut établir une purge. moi, je pense que c'est la solution. Le parti de la purge. C'est ça le nom, là. Oui, c'est beau. C'est très niche. Très niche. Purging party. On pense qu'ils vont avoir peut-être un député. On a 2% des voix à date. J'aurais fondé cette partie-là. C'est serait malade mort. La purge, c'est 2 jours. T'as juste un comté. Hein? La purge, est-ce que c'est 2 jours ou 1 jour? La purge, genre, ben, d'un film, là, c'était genre 12 heures. Là, c'est 12 heures, ou 8 heures. Non, c'est 12 heures, je m'en rappelle. C'est 12 heures. C'est ça, je pense. C'est ça, c'est la nuit. C'est genre de 6 heures à 6 heures, genre, de quoi de même? De quoi de même, ouais. Ça serait hot qu'il y ait quelqu'un qui arrive un peu plus progressiste, qui fait comme 12 heures, ça n'a pas de bon sens.
est-ce qu'on pourrait penser à 8? Ouais. C'est genre... On peut mettre à 8, puis... On met deux Paul fois 6 dans l'année. Arrêtez de tirer d'en face, là. Ouais. Pas comme pas tirer d'en face. La pluche, ça gère pourrait... comme le ballon chasseur. On pourrait-tu changer ça de temps de l'année? Parce que l'hiver, il fait un petit peu froid pour sortir des rues, moi, je trouve. Moi, je mettrais ça l'été, la purge. Quand un citoyen se fait tirer, il lève le bras, s'en va au banc de protection. Et dans 5 minutes, vous pouvez le rattaquer. Il a 5 minutes de pause. Fait que sinon, une autre initiation qui est mal tournée. 5 membres d'une fraternité. J'ai oublié de ce qu'on parlait. Ouais. Ben, Chiris, on a chiré. Hein? C'est fucking intéressant en plus. Hein? C'est fucking intéressant. C'était la meilleure affaire de toute la podcast, Phil. Toute la podcast. C'est pour ça que ça nous a inspiré. C'est mon podcast. C'est moi l'animateur. Je m'excuse, Jean-François. C'est moi, Marco. C'est ma fête, Estime. Merci, Marco. Bonne fête, GF. Fait que 5 membres d'une fraternité. Ceux qui écoutent vont rien comprendre. Je suis là maintenant, je comprends rien. On devrait tout changer. On devrait avoir un name tag, puis on se l'échange genre à chaque minute. Moi, okay, on change de place différemment tout le temps. Je veux faire un épisode de même, parce que si vous êtes dedans, vous embarquerez. Okay. Okay. Sinon, on va le faire ça dans mon sol, puis me l'uploader. Non, mais je voulais faire un épisode que genre chaque personne prend une autre personne. Ouais. Comme dans Radio Enfer. Ouais, maintenant, ils échangent tout. Ouais. Puis on s'insulte nous-mêmes en parlant. Ouais, mais en fait, un genre de roast. Mais tu sais. Genre, tu suces un dildo. Tu fais en tout cas, je lance l'idée. Tu fais les pires. Ça peut être drôle. Ouais, ça peut être drôle, mais. Vous avez ce qu'il faut, là, pour être GF? Ouais. Non, juste des échelles. Demander des lifts à part de ça, quoi d'autre? Fait qu'il y a 5 membres d'une fraternité qui ont été arrêtés pour meurtre. Oh wow. Bien fait que 5 membres d'une fraternité qui ont été arrêtés pour meurtre après avoir initié un jeune homme aveugle. Ça commence bien. Shit's gonna hit the fan. Nice. Dans le fond, il faisait porter un sac de 20 livres sur le dos. Il faisait traverser un chemin, puis tout le monde il faisait des spears, tu sais, comme des tackles de football, là, quand tu remontes comme ça. Wow! Il faisait ça à répétition, fait que le gars il tombait, il se relevait, puis il continuait. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, il tombe brutalement sur la tête, puis il reste allongé. Fait que les gars, genre, pour prendre soin de lui, on essaie de le rentrer en dedans. Pour prendre soin de lui, ben oui. C'est Ouais, mais c'est comme, qu'est-ce qu'on a fait au pauvre petit aveugle? Mal ce qu'on a fait. Ils l'ont rentré en dedans, puis finalement, genre, ils voulaient pas appeler l'ambulance, donc ils ont fait des recherches Google, voir c'est quoi les symptômes de ce qu'il y a. La mort. C'est quoi son cerveau? Est-ce que c'est bon? C'est mauvais signe. Chris, il est mort. Il a checké des sites de points de suture. Des sites de points de suture. Je sais pas si ça existe, mais. Que ce soit dentaire. Stitches. Stitches.com, puis il est juste arrivé dans un espèce de magasin de jeans. Ah, on peut mettre du tape. OK, finalement, en tout cas, ils ont fait des recherches. Finalement, ils n'ont rien trouvé. Ils n'ont pas trouvé de solution. Fait qu'ils ont finalement décidé de l'amener à l'hôpital où il est décédé le lendemain. Ah. Dû à des dommages au cerveau. Hey! Ouais, ça, c'est parce qu'il est aveugle. Ben oui. Hey, c'est dommage, il était déjà là. Ben oui. Oui, Chris. Hey. Ah ouais. C'est plus maladroit, mais... Comme dirait Justin, bien fait pour lui. Prochain, 3 étudiants de... T'as voulu naître avec Colis, bien pour toi. T'as voulu naître avec. OK, prochain, 3 étudiants de A&M en Floride qui ont jugé pour avoir abattu un homme après avoir fait passer l'initiation à un drummer de la fanfare appelé Crossing Bossy. Son nom c'était Crossing Bossy. Moi ça devrait juste être des noms français, je pense. Non, mais c'était le nom de l'initiation. Ah, ok, c'est le nom du dude. Non, j'ai pensé à ça badass que Crossing Bossy. Yo, I'm Crossing Bossy, baby. C'est même pas genre. Il est animateur de radio. You're working, babe. Quoi? C'est un vidéo. Qu'est-ce qui se passe? On va le dire après. Fait que finalement, l'initiation consistait à le faire entrer dans un boss, le cogner jusqu'à temps qu'il tombe à terre, puis le tabasser à coups de pied quand il était rendu au sol, comme des initiations de gang de rue, genre. Mm-hmm. Fait que malheureusement, le drummer, son nom, il est cool aussi, il s'appelle Robert Champion. Oh! Robert Champion! Ouais.
Ben, le champion est décédé peu de temps. Oh, wow. Le championnat de la mort. C'est un peu fuck-off. C'est même pas original comme initiation. Mais ben, c'est des initiations de gang de rue, calice. Ouais, c'est ça. OK, on va tout t'enculer à tour de rôle. Puis si tu cries pas, tu auras une belle gosse à la fin. Tu vas avoir une plaque ça, gueule, mon esti. L'initiation s'appelle Gang Rape. On va te montrer ça, mon chum. Ça s'appelle Gang Rape. Non. Ça s'appelle Gang Rape. Non, mais fie-toi pas au nom, c'est pire. C'est comme le nom, mais avec de la moutarde. Ah ouais. Au collège Bradley Dooley de Buffalo, un joueur de l'équipe de basket est mort après une initiation qui consistait à boire un liquide indéterminé. Certains disaient que c'était du détergent ou de l'eau d'égout. Mais bref, tout ça pour dire que le gars est mort. Je t'aime. Ouais, mais souvent, ça devait être relax. Ils ont mélangé Sprite puis moutarde. Puis il a bu ça, puis c'est un joueur de basket, sûrement un Afro-Américain, il est sorti, il s'est fait tuer par la police. Sûrement, ouais. Le liquide l'a tué, ça, puis les trois balles. Les trois coups de semonce dans le dos. Ouais, on pense qu'il s'est suicidé dans le dos. C'est ouais. Il s'est suicidé avec quatre balles dans la tête. Oh wow. Il s'est suicidé avec l'arme du policier aussi. Je pense qu'il avait volé. C'est bizarre. Il a volé pour se tirer dans la tête en arrière d'un container, je vous le jure, d'une ruelle. Il était abandonné là avec l'arme. Avec l'arme d'aim. En étant menotté, c'est incroyable. Hey, j'ai jamais vu un tel cas. J'ai jamais vu un suicide aussi élaboré. Faut croire qu'il était vraiment dépressif. Il était prêt à tout. C'est un cri à l'aide! Là, comme on dit, quand on a décidé de t'en mettre fin, on a comme un petit regain d'énergie avant les derniers jours. Fait oui, oui. Devenir artistique. Un peu. C'est l'instinct de survie, des fois. Hein, oui. Fait que, en 2002, 7 joueurs de l'équipe de football de Methodist College en Caroline du Nord ont été arrêtés après l'initiation qu'ils ont fait subir à un étudiant qui voulait se joindre à l'équipe. Ils ont commencé par lui enlever les culs. Ils ont commencé par lui enlever ses culottes. Je vais même pas déshabiller toi, c'est on va t'enlever tes culottes. Oh ouais, ça, c'est weird. T'as juste 6 gars autour de toi, man, qui tirent après les culottes. T'es comme tabarnak, qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce que c'est weird, man? Il a commencé ça à smooth au début. C'est un viol, tabarnak. C'est un petit peu ça. Il a commencé par y dessiner sur le cul avec un Sharpie. Tu lui donnais des petites claques sur le cul, il trouvait ça bien drôle. Puis après ça, ils ont rentré le Sharpie, finalement. Ben, tabarnak, man. Ils ont rentré le Sharpie, ça aurait pu être vraiment On dirait un casting couch. Le bouchon fermé ou ouvert? Je trouvais que c'était la question importante à la situation. Je sais pas, on pourrait dire qu'il est à l'envers, l'autre côté. Ils sont tous saliés les mains, ça veut dire? Ah ouais, là, ils sont remplis les mains de Sharpie, calice. Hey. Pas d'allure. Ah non, c'est ça. Ben là. Ça pas, mais c'est le moins épais qu'il y a toutes les histoires que t'as contées. Hey, c'est clair qu'un Sharpie, il mettre en feu avec un marteau. On se dit qu'un Sharpie dans le cul, là. J'avais rien eu vraiment dans le cul, là, mais ça peut vraiment pas être pire que ça. Ben, ça dépend de la vibe que t'as. Là, genre, t'as déjà une rapey vibe en partant, tu te fais rentrer de quoi dans le cul. Ça se peut que, genre, il y a le moment plus que l'objet qui te rentre dans le cul qui fait mal. Là, c'est sûr. Parce que clairement, le monde te retienne. Ils sont 6 à te retenir. Asti, t'as plus de culottes. Pis... Ouais, mais en même temps, c'est une équipe de football. À quoi tu t'attends? C'est le rentre au. Tabarnak. Combien de fois tu vas vivre ça dans les douches? C'est du football. Tu vas faire NFL, mon chum. Parce que là-bas, c'est pire. Tous les jeux commencent avec un gars vraiment beau qui met ses mains dans le cul d'un gars vraiment obèse pour recevoir un ballon. Ben oui, écoute. Comment tu penses que ça se passe? Ben oui. C'est sûr qu'il y a beaucoup de caca, là. Impossible. Là. C'est sûr. Ah, définitivement. C'était ça, dernière? Non, il y en a d'autres. Oh, nice! Attends un peu, je t'ai rendu. Chance, j'en ai pas assez. Il en reste exactement 3. Nice. Yes! Ah oh ouais, voici. Crilly. On a inventé. Phil, il a déjà sucé mon père. Qu'est-ce qu'il est bon. En 2003. Ça fait accepter dans la famille. Walter Dean Jennings 3 a été forcé de boire. Je suis pas trop. Troisième du nom. J'ai juste pas un roi. Là. Juste traduit. Ouais, ouais, là. Des numéros à fait de ton nom. Ben c'est ça doit être troisième du nom, mais j'ai juste traduit. T'as marqué third, j'ai marqué 3. Puis je veux comme pas. Ouais. Son de famille c'est 3. Même pas en lettres. C'est genre un chiffre. Mais c'est quand même badass. Moi, j'appellerais mon fils JF2. Ah ouais.
Même pas Jean-François. JF, c'est juste JF Junior. Puis après ça, à 3, non, tu peux commencer à mettre des chiffres. Ce serait pas Jean-François, ce serait genre ça va être... D-J-H-I espace E-H-E-F-F. Deux. Un commercial a le même moyen. J'ai une question pour vous autres. Est-ce qu'on peut changer notre famille? On peut changer de prénom? Tu peux changer de notre famille. Oui. À la base, t'en as deux. Fait que c'est sûr que oui, mais sinon je pense qu'il y a un custom. Qu'est-ce que t'aimerais être tricycle? Je sais pas c'est quoi les règles au Canada, mais je sais qu'aux États-Unis c'est possible de le faire. Mais je pense que c'est possible aussi, ça doit juste coûter plus cher. Je pourrais m'appeler comme Mathieu 18. Tu peux t'appeler ce que tu veux. Tu peux même t'appeler Fouillement. Je parlais de nom. Tu peux m'appeler Sombrero Bac à Recyclage. Tu peux t'appeler Ghost Weird. Non, tu peux avec les conséquences après. Il est déjà pris. Je l'avais shotgun. Aucun job avec ça. J'en disais avec ma blonde l'autre fois de nom hypothétique d'enfant. Je pense que j'ai réussi à la convaincre. C'est un red flag. Non. Tu joues des mineurs et t'es en fin de partie en esti. C'est la même gars. Encore l'esti. Puis... j'ai réussi à la convaincre que je pense que tu viens juste dans la douche avec elle aussi de notre enfant. Je m'imagine juste sortir et courir vers la douche. Le train, mon enfant. Le train. Le train. Tabarnak. Mon enfant, il va s'appeler Simba. Je pense qu'on a Simba, oui, c'est vrai, tu m'as dit ça. Je t'avais compté, il va s'appeler Simba, puis toute sa vie je vais le conditionner que papa, en fait, c'est Mufasa. Ouais. Il va me regarder, il va dire Mufasa, je vais dire oui, Simba. Quand il va être plus vieux, il va être adolescent. Puis là, je vais lui dire. Tu montrer le roi lion qui tu es. Non, jamais. Je vais jamais montrer le roi lion. Pas que tu montres le roi lion, jamais. Puis à un moment donné, quand lui va avoir un enfant, je vais donner le roi lion en cassette pour un mec. It was a prank, bro. Just a prank, man. Amen. Tout son. Les adopter. Ton père s'appelle comment? Mon quoi? Ton Mufasa. Mon Mufasa. Ça serait badass. Ça serait badass. Si viol, ça veut dire manger aussi. tant qu'à être là. Tant qu'à être là, ouais, on passe. Il faut que je viole. Qu'est-ce que t'as violé ce midi, Raphaël? Un macaroni avec un coup d'œil. Donc, en 2003, Waterdeep Cheating 3. C'est super bon ce qu'on viole ce soir, madame. Merci maman de m'avoir préparé à violer. Des raviolis. Je sais pas pourquoi je pense à ça. En tout cas. Okay, le gars a été forcé de boire plusieurs pichets d'eau jusqu'à ce qu'il soit sur le point de vomir. Jusqu'au point où des il vomit. Des quoi, excuse? Pourquoi de l'eau? Des pichets de tequila. Ah, mais boire énormément d'eau, quand t'es plus capable, vraiment, tu fais qu'il vomit de l'eau. Mais imagine boire énormément de tequila. c'est clair. Ben, moi, je vomirais après deux shots. Il y a un gars qui s'est noyé en buvant trop d'eau. C'est lui, dans le fond, il a bu tellement d'eau que son cerveau a gonflé. Puis, dû à une intoxication. Son cerveau a gonflé. Ouais, fait que dû à une intoxication à l'eau. Puis, 21 étudiants ont été punis. Ce qui arrive avec l'eau, c'est que par osmosis, tes globules rouges absorbent l'eau, dans le fond, pour qu'ils équilibrent au niveau de la pression. Puis tout ça, c'est l'osmosis. Puis, tes cellules rouges finissent par être tellement gorgées d'eau qu'ils explosent. Oh, tabarnak. Fait que tu meurs. Ah, ben, mais c'est ça qui est arrivé à ce gars-là. De boire trop d'eau. Mais tu peux pas. Ça peut t'arriver dans le cerveau si tu veux. Ah, mais t'as un stomach illégal aussi, là. Matt, t'as mis quoi? Ben, possible. Ton corps non, doit faire. Que ok, là, on est de... correct, man. Genre. C'est possible de me dire oui, encore plus, genre. Un coup mort. Mettons, tu te retiens de vomir puis tu bois de l'eau, pareil. Ouais. Parce qu'il y a eu des émissions de radio qui faisaient des concours, genre. On assit deux personnes dans le. Who wants to drink water? La personne qui boit le plus d'eau en 2 heures sans aller pisser. Puis tout ça gagne genre un char, puis t'as genre du monde dans ces congos-là qui sont morts. Genre. Puis à un moment donné, on fait « Oh shit, tu peux mourir de boire trop d'eau. » Ah, oh, wow! Ben, on va faire un autre concours. Oh, qui veut un t-shirt? Oh, ben... des chars à personne qui est morte, fait qu'on va pouvoir le garder. Youpi! Il retient son souffle plus longtemps. Quelqu'un qui meurt encore. Fuck! Tabarnak! Fuck! Deux en deux. Fait qu'en 1959, la confrérie Kappa Sigma, encore une fois, ont forcé leur initié à avaler un morceau de foie cru à près de la grosseur d'une tranche de pain, genre.
Fallait qu'il mais le plus chiant, c'est qu'il fallait qu'il l'avale sans la mâcher. Genre, fallait juste qu'il l'avale. C'est juste étouffé. Effectivement, Richard Swanson, qui était pas capable, à sa quatrième essai. Le morceau de fou, c'est quoi ça dans sa gorge? Fait que, ils ont alors rempli l'ambulance. C'est de calice, sincèrement. Ah ouais, c'est des crises de cave. Ben voyons, crises. Il y a personne. Un peu sur de l'université, je vous rappelle. C'est des universitaires. Ils méritent. Ils ont fini par appeler l'ambulance parce qu'on se rappelle, on est en 1959, fait que personne ne connaissait comment faire le RCR. En 59. Ben oui, ben oui. C'est la méthode Heimlich. Non, c'est ça. Ouais. Personne ne connaissait ça. Là. Fait que, ils ont appelé l'ambulance, mais ils n'ont pas informé l'ambulancier que le gars il a un morceau de foot pogné dans la gorge. Fait que le gars, il savait pas, puis deux heures après, ben, il est mort à l'hôpital. On n'a pas fait le lien, il avait la gorge enflée. Non, mais le problème, c'est l'ambulancier qui a pas demandé pourquoi. Viens tantôt. Mais tu sais pas ce qu'il y a, là. C'est une grippe, ça. T'es en 59, là. Tu peux fumer dans les avions, puis tu peux boire ça à job, OK? Je comprends le dos qui avait pas dit qu'il y avait un morceau de foie. C'est l'esti d'ambulancier incompétent qui est juste comme... Il y a toute la face. Les ambulances pis les corbillards, c'est le même char. ça devrait être comme ça. Ouais, mais c'était ça avant, non? Je sais pas. Les ambulances, c'était pas quand même le même char qu'un corbillard, me semble? Le même modèle. Dans les Simpsons, c'est deux chars différents. Là. C'est deux chars différents. Ouais. Dans ces années-là, c'était deux chars différents. Ça ressemblait, là, ça l'a dit. Ça ressemblait, là, mais c'était pas le même char. Bon, fait que... OK, ça allait le couper, mais c'est le retour, OK. Ok, ça me donne je suis le goaler sur ta style d'ordi de cul là. Le montage va te déconner. Parfait. Là, on est déjà rendu au dernier. Non, pas le dernier, je veux dire, faire le montage. Ça va être de la merde faire le montage. Pas ton dernier numéro. Ah, non, j'avais même pas entendu. Pour mettre ça au clair. J'avais même pas entendu. Non, il a juste dit que c'était son dernier point, mais c'est genre. Ok. Genre, tu l'insultes un peu. Bah, ça va être la crise de merde, ok? On s'entend-tu, là? Fait que le dernier se passe en 2009. La fraternité du collège Dartmouth, qui devait se promener sur le campus les yeux bandés pendant que les gens le faisaient boire des shots d'eau salée à base, ce qui est pas si mal. Des shots ils ont ensuite, ça a monté d'un esti de coup, ils ont lancé dans des piscines avec du vomi et des aliments périmés. Andrew Loss a même été forcé de manger, tel Steve-O dans Jackass, une omelette au vomi. Puis après ça, ils ont fait chugger un cup de vinaigre. Crise de belle soirée. Ah ouais, je sais. Hey. C'est dégueulasse. Le gars, il est pas mort. Ben non, il est pas mort. Il est parti au restaurant de cuisine, d'ailleurs. Ah. Oh, et très, très en vogue. Le gars est pas mort. Il a trouvé ça délicieux. Ah ouais. Il a trouvé ça délicieux. Ça l'a inspiré. Ouais, vinaigre et Bill, ça s'agence. Moi, je suis adore de le faire, ça. Pour une hésitation, là, de manger mon vomi. Ouais, ton vomi, c'est quelque chose. Le vomi de quelqu'un d'autre, cuit dans une omelette. Après tout ce qu'il vient de nommer, c'est moins pire. Le ouais, mais mettons entre le feu puis le marteau, puis la mort. Je sais pas lequel je choisirais. Hein. C'est sûr que clairement pas un sou où ce que tu meurs. Pas un sou, genre ce que tu te fais brûler. Là. Ben moi, je me place, peu importe la décision, je me place du côté qui fait subir ça à quelqu'un. Ah oui, non, ben c'est ouais, sûr. C'est bien les boys, c'est sûr que tu l'avais fait l'année d'avant, par exemple. Non. C'est de même, ça marche. Non, c'est non, comme non. Ça, l'initiation. Non. L'initiation, c'est ça qu'on y est. Je vais leur dire, moi, je change mon nom de famille pour Stifleur. Oh! Ah, okay, d'abord. Jean-François Stifleur. J.F. Stifleur. C'est pas G. Stifleur. G. Stifleur. J. Stifleur. Like a G. Stiff. Oh! James Franco Stifleur. Comme ça, je gagne tout James le monde. James Franco Stifleur. James Franco Flash Gordon. Let's go. On y va pour le power trip. Cooking cowboy. C'était tout pour ma crédit. Hey, hey bon merci Marco. Let's go! C'était du génie. Let's go! Let's go! Allô? Je pense qu'on finit ça là-dessus. Ben, on va finir ça là-dessus. On va finir ça là-dessus. Bon, ben, merci tout le monde d'avoir écouté. Patreon, cool. Des gangsters. Facebook, la toune d'outro qui part là, live. Frédéric Viola, merci. Patreon, thanks, 8 000 $ Patreon par mois, riche à tabarnak. Merci. Shout-out à mon chum Tupac. Là, on s'en va dessus ou on s'en va pas? Shout-out à BM, merci, yes sir. OK, on s'en va. MGK,